frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Donc, j'ai vu cette fameuse publication, on dit que je suis mort, mais comme d'habitude. Donc, je ne sais pas si c'est une blague ou comment, parce que la personne écrit et dit que abonnez-vous pour savoir plus. Je ne sais pas si c'est les gens cherchent juste le buzz ou comment, mais je crois que nous sommes là par la grâce de Dieu. Ceux qui veulent notre mort, vraiment, ils attendront longtemps. Que le Seigneur vous bénisse richement, je suis en vie. Aujourd'hui, nous sommes dimanche quand? De quel jour? Quelle date? Aujourd'hui, nous sommes le 7. Le 7? Oui. Donc, je vais très bien. Que Dieu vous bénisse richement et n'écoutez pas ce genre de choses-là. Encore une fois, un grand shalom. Merci. Bye. Les abonnés de Congo Dialogue, moi c'est Bolois Josué, à partir de l'Afrique du Sud, Cape Town. Merci de choisir ce programme. Merci encore de vous abonner massivement dans notre YouTube channel Congo Dialogue. Congo Dialogue pour vous informer autrement. Voilà, c'est dans le cadre de la religion que nous venons dans vos petits écrans. Juste rapidement, parce que depuis hier soir, la nuit, il y a une photo qui circule dans les réseaux sociaux. Et ça dit ceci. J'ai la douleur de vous informer la mort du pasteur Lifoko Dissiel. Et puis à la fin, le monsieur a mis la photo et dit « Abonnez-vous dans notre page ». C'est ce qui est bizarre. Alors, c'est déjà une déformation, c'est déjà une déformation, une désinformation, une information qui n'est pas vraie, parce que dans cette annonce, on n'a même pas signalé où, quand et avec quoi notre frère, cher pasteur, Lifoko Dissiel que nous connaissons et que nous saluons en passant, qu'il est décédé. Donc c'est une fausse rumeur, une fausse information. Alors, pour confirmer cela, lui-même, notre frère, le cher pasteur Lifoko Dissiel, venant de sa maison, démentant cette information. Suivez cette vidéo. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Donc, j'ai vu cette fameuse publication, on dit que je suis mort, mais comme d'habitude. Donc, je ne sais pas si c'est une blague ou comment, parce que la personne écrit et dit que abonnez-vous pour savoir plus. Je ne sais pas si c'est les gens cherchent juste le buzz ou comment, mais je crois que nous sommes là par la grâce de Dieu. Ceux qui veulent notre mort, vraiment, ils attendront longtemps. Que le Seigneur vous bénisse richement, je suis en vie. Aujourd'hui, nous sommes dimanche quand? De quel jour? Quelle date? Aujourd'hui, nous sommes le 7. Le 7? Oui. Donc, je vais très bien. Que Dieu vous bénisse richement et n'écoutez pas ce genre de choses-là. Encore une fois, un grand shalom. Merci. Bye. Merci la régie pour cette vidéo. Vous avez suivi, c'était hier la nuit ou le soir que notre cher pasteur Lifoko Dissiel a démenti ces rumeurs ou cette information disant qu'il est décédé. Il est en bonne santé. D'ailleurs, il se prépare pour un nouvel album que tout le monde attend de cela. Vraiment, merci à vous, cher pasteur. Nous, je crois que ce n'est pas la première fois que Batoba créé, va provoquer l'Iwana. Donc cela témoigne que vous avez encore une longue vie. Longue carrière, na ministère na yo, na carrière musicale na yo, et puis na responsabilité on zamba pesio vraiment te souhaiter ba plein succès et puis on continue toujours au bon de la pona yo de façon que atteint que patrimoine na musique chrétienne et puis na corps à Christ nzamba ko ba toujours ko inspirer au plus avantage nzamba pa l'homme de Dieu bisikozali yo mama na bana nyonso et puis l'église mobimba na niveau ya Brazzaville kuna niveau ya Congo Brazzaville nzamba zala na yo. Alors pona yo nde ko yo konzolu ka ba buzz. Ah, Evandite, Evandite Penzate. Babezon Penze Evandite, Evandite Penzate. Alors, je crois que c'est démoniaque, voir nous les Africains. Au moins, les hommes de l'été, nous avons posté à Bongo. Les hommes de l'été, nous avons tout le monde du caca. Nous avons tout le monde du caca, précipité, nous avons tout le monde. Je trouve que ça n'a pas vraiment de sens, Evandite. Donc, c'est un peu ça, cher abonné à Congo Dialogue. Nous avons un peu d'éclaircissement, nous avons un peu d'éclaircissement que notre cher pasteur Lifoko Dissiel. Les frères Eli que je salue aussi en passant. Donc notre frère, notre cher pasteur est en vie. Et d'ailleurs il prépare un album, un single. Je vais juste vérifier le titre. Un single. Azo prépare. Voilà. Donc je vais t'aimer par force. Voilà. We can't wait, comme on dit en anglais, Tozo Zelango, vraiment l'homme de Dieu, le pasteur Lifoko Dissiel. Donc, peuple de Dieu, cher pasteur, cher apôtre, Ozana Katamon, Natemo Mena Diaspora, et sa fausse information, donc Tozo une confirmation, l'élo que notre cher pasteur est en vie. Alors, Yum Tozo Lukaliwanae, Zambazomonae.
Ok. Avant que je finisse, comme vous savez, communauté congolaise et Zouaki Sangwa na semaine Oyo disparition avec l'apôtre, le prophète, Oazalma Bakaskat un peu belé, Nash Lubo Yawote Koti Kabiso. Vraiment paix à son âme. Tu formeras un monnaie qui paiera ta place. Je vais dire à quelqu'un des choses bizarres. Vous savez, Daniel était dans la fosse et la Bible dit que pendant que Daniel était dans la fosse au lion, il n'a même pas eu le temps parce qu'il était déjà devant un danger. Sa bouche, ses yeux voyaient les dangers, ça commandait à sa bouche de ne pas parler. Mais son passé parlait à son présent. Je dis son adoration parlait à son présent. Et cette adoration a invité une quatrième personne qui n'était pas condamnée. La quatrième personne est venue dans la fosse. Quand le roi a regardé, la Bible dit que quand ils ont été libérés, ils ont été libérés à trois, mais on les avait vus à quatre. Qu'est-ce qu'il faisait le quatrième? Pourquoi il n'est pas sorti? C'est parce qu'il savait qu'il y aura quelqu'un d'autre qu'on va jeter, qui est aussi un adorateur. Il l'attendait dans la fosse. Pourquoi il l'attendait dans la fosse? Parce que si on le jette là-bas et qu'il avait adoré avant d'entrer, il sortira sans que il puisse être blessé. Parce que l'adoration est un investissement. Donc je dis à quelqu'un, nous mettons l'argent à Equity Bank, même si nous sommes en Europe, nous avons une carte bancaire, mais notre cœur est notre carte pour l'adoration. Parce que l'adoration, nous pouvons le mettre à n'importe quel distributeur. Nous mettons l'adoration au distributeur. Non, je dis à quelqu'un que nous mettons l'adoration au distributeur du mariage. C'était Nabutu Pitolière le dimanche, Ande Akibakende Kope Misa Moli Mona na Kimia. Donc, Batwa Koufi Bangwana. Il faut croiser nos vies. Pour ma condoléance, na libota mobimba et corps Christ nyonso ba serviteur nyonso et tongati ki na niveau ya Kinshasa kuna vraiment ntama pesa bino kimia na ko bana sim no vidéo extrait comment nzoto na ezo kende na dernière demeure na ye na pesi condoléance spécialement ndé kona biso moimbi na nzambe le frère Michel Bakenda o basa ki ne plus rapproché et puis na ba frère nyonso Fabrice Mulaja do atest nyonso oui, bah, avec l'ensemble, je vois la chère, je vois aussi la sœur Rachel animée. Vraiment, dans ma paix, Sabino Kimia, et puis après ça, corps de Christ, Nyonso, Kimia, la disparition à notre bien-aimé, l'évêque Paul Nash, Luboya Ote Koti Kapso, la début de la semaine passée, avec juste une courte maladie. Vraiment, dans ma paix, ça Kimia. Donc, bah, dans ma paix, toujours là-bas, événement, Nyonso, tout le monde qui est, tous les sous-nats, Mingit, le Seigneur revient bientôt. C'est à nous de se préparer. Parce que les lois, n'ingizoye là, ils en ont pas face à tes belles.
Peut-être ce qui est Covid, ce qui est un accident. Donc, c'est à nous de se poser la question. Les abandons. Bon, le lobby, c'est Ngaza, on va passer l'éternité dans Ngawapi. Donc, tout le monde qui mène à Batounion, tout le monde qui mène à Bissonion, tout le monde qui mène à Mokili, tout le monde qui mène à Batounion, c'est parce que le lobby qui lui est frappé à la porte, tu vas te poser la question où est-ce que tu vas passer ton éternité? C'est ça la grande question. Vraiment que Dieu console toute la famille, Luboya, Nash, Bande Konyos, Wazala qui rapprochait Nape Kora Kesnios. Quant à notre cher pasteur, il faut qu'on dise Yé Aza en vie, en bonne santé, Aza a confirmé la famille, nous allons passer temps ensemble. Alors, bon, nous allons précipiter, nous allons battre. Nous allons retourner. Voilà, merci. Voilà, moi, je suis venu à la maison pour nous démentir, Liwa et pasteur, il faut qu'on dise elle. Ok? Donc, vous allez brancher connecté. Tout le monde est là pour serviteur de Dieu. Tout le monde est là pour nous faire pour vous dire que nous allons faire un peu de temps. Nous allons faire un peu de temps. Ils ont bangi ça, mais tu sais que la mort c'est un gain. Spécialement pour nous, on a vu ça, l'apôtre, le prophète, le boya. Ok, voilà. Vous allez mal, abonnez-vous massivement. Moi, c'est Josué Bolois, à partir d'Afrique du Sud, pour partager mes vidéos. Et puis, vous allez mal, jusqu'à un prochain numéro. Merci.